L'être humain n'aime pas le changement. Il n'aime pas être bousculé dans ses plans. Chacun d'entre nous se souviendra de cette année. Cette année où tout a été chamboulé, tout a été annulé et où le temps s'est arrêté. On a dû apprendre à ne rien prendre pour acquis, à arrêter de tout préparer, de tout programmer. On a aussi appris la valeur des choses, la valeur d'être libre de sortir, libre de respirer, libre d'aller où on veut, libre de rêver. Chacun des moments que nous pouvons vivre doit être chéri. Il est grand temps d'arrêter de vivre dans le passé et d'arrêter de vivre dans le futur pour enfin se concentrer sur le moment présent, sur là, maintenant, tout de suite. Le temps est la chose qui a le plus de valeur au monde, car c'est la seule chose qu'on ne peut que perdre. Utilisez votre temps à bon escient. Savourez-le, profitez-en et soyez prêts au changement. Parce qu'après tout, vous ne pourrez jamais contrôler les événements, ce qui vous arrive, mais vous pourrez toujours contrôler votre manière d'y réagir. Soyez vous, maintenant, et profitez de chaque instant, de chaque situation, pour vous rapprocher un peu plus de qui vous voulez devenir, de qui vous voulez être, et du monde dans lequel vous voulez vivre demain. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. Now you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got.